Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis désolée pour la lumière, mais ça y est, il fait gris, il y a du vent. On a une tempête il y a 2 jours. On a dû rentrer les chiens. C'était horrible. Alors, on est lundi 23 septembre, il est 16h56 exactement. Je viens de terminer le ménage. C'est pour ça que j'ai une tête... Voilà, one again. Faut que je fasse ma couleur aussi là. Faut que j'aille l'acheter demain. Parce que ça... Cheveux blancs. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que nous sommes plus de 500 sur ma chaîne et je vous remercie beaucoup. Ça fait très longtemps que je fais une chaîne YouTube. Alors au début, c'était pour la lecture. Voilà, j'étais beaucoup... Ah non, tout au début, on avait fait des box avec Maëlie. On avait fait des box... on a eu des box livresques, on a eu des box de jeux. Je leur ai fait des box. Voilà, on avait fait ça avec Maëlie, c'est vrai. On avait fait des super vidéos. C'était rigolo, elle est toute petite. Bref, et c'était juste pour s'amuser. Bon, c'est toujours pour s'amuser YouTube, hein. De toute façon, je vais pas devenir milliardaire avec, hein. Sinon ça se saurait. Je travaillerai plus, voilà. Je suis désolée, j'ai aussi des cernes, je travaillais tout le week-end. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit, je suis contente quand même. J'ai bien dormi, enfin cette nuit, ce matin, hein. Ce matin jusqu'à 14h, j'ai bien dormi. Alors, je suis en train de préparer, de monter le vlog de la semaine dernière, bien évidemment. J'ai fait mon petit ménage, voilà, donc je suis en train de regarder, je dois ranger mon bureau, c'est bazar. En fait, il faudrait que je range toute ma maison. Donc là, j'ai fait le salon, la salle à manger, la cuisine, un petit peu la salle de bain aussi, mais bon, c'est chaotique. C'est chaotique, c'est chaotique. Le week-end, quand on travaille, c'est chaotique. On rentre, on dort, on repart travailler, c'est ça. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. De me regarder, surtout que maintenant je fais presque que des vlogs. Voilà, c'est rare que je fasse des piles à lire, si j'en fais encore un petit peu. Voilà, ben là ça va venir, il va y avoir le Cold Winter Challenge bientôt. Bon, bref, ce sera tout. Rien de particulier aujourd'hui, je vais ranger un petit peu mon bureau, je vais faire un petit peu de montage et après je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je dois terminer de lire, j'ai avancé dans ma lecture cette nuit. Alors, je suis en train de lire celui-ci. Voilà. Donc j'ai avancé. Voilà, donc je suis à plus de 60% de ma lecture. J'en suis à la page 507. Ah mais... Coïncidence. J'ai 507 personnes abonnées sur YouTube et je suis à la page 507. Non mais, le hasard. Voilà, donc je dois continuer ça. Il me reste, je crois qu'il me reste la moitié du livre. Oui, bon, 60% dans la ligne, effectivement, il te reste un peu moins de la moitié, mais... Bref. Aujourd'hui, je termine ça. Je pense que je ferai un petit bain ce soir. Ouais. Et là, ça tourne, comme vous pouvez le constater, ma lumière baisse. Ma luminosité baisse. Ça tourne à la tempête. Il faut que j'aille nourrir mes animaux aussi. Là, j'ai fait l'aspirateur et la serpillière, donc j'attends que ça sèche. Et ensuite, je vais nourrir mes animaux. Avant de me prendre une saucée. Surtout ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je suis sortie juste à temps pour nourrir les animaux. J'ai fini un petit peu sous la pluie, mais ça va. Là, c'est vraiment la tempête. Ce soir, c'est boudin aux pommes, une petite recette de saison. Sitting in the basement of...
Et voilà, bon appétit! Bonjour à tous, on est mercredi 25 septembre, il est exactement midi 37. Ah, il est midi ? Ah, ben oui, il est midi, voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille Mylène, elle a 24 ans. Joyeux anniversaire, ma chérie ! Bon, regarde pas mes vidéos.
Alors, hier, j'ai fait des petits achats. J'ai été faire un petit tour à l'espace culturel. J'ai pris le dernier tome de Anne. De Anne, la maison pignon vert. Donc, c'est le tome... je sais pas où on en est. 3, 4, 5, 6, 7... Ah bah, c'est peut-être le 8e. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est Anne d'Inglenside. De Lucie Maud Montgomery, bien évidemment. Aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. C'est Rila, Marila. Hein? Que souhaitez-vous savoir concernant Cyril Roquet? Rien du tout. Au revoir, Siri. Voilà, je ne sais pas pourquoi il me parle. Parfait. Ensuite, je me suis pris un nouvel agenda. Voilà, qui fait un peu style grimoire. Après, à l'intérieur, il n'y a rien de spectaculaire. C'est un agenda ou... Enfin, c'est un semainier. Voilà, parce que moi, j'aime pas du tout les tout petits. Il faut que je puisse mettre toutes les heures, les rendez-vous et tout et tout. Et au toucher, il est, je sais pas, il est pas tout doux. Il est en relief. Voilà, superbe agenda. Ensuite, question couture, tricot. Je me suis acheté la mode des poupées. Ce sont les réalisations d'Andrea, Andrea de Marie. Voilà, alors je les achète souvent. Et c'est ma belle-mère qui les fait. Eh oui. Mais elle les fait pour les petits poupons. Voilà, elle aime bien voir les petits magazines. Alors peut-être qu'un jour je me tenterai à les faire, mais alors j'ai regardé, je ne comprends strictement rien. Voilà. Alors après, je peux moi faire tout ce qui est couture, bien évidemment. Voilà, par exemple, cette jolie petite robe avec le petit jupon à froufrou là. Voilà, mais ce qui est tricot, je ne comprends strictement rien. J'ai beau lire. Il va falloir un décryptage, hein, parce que je comprends rien. Bref, c'est pas grave. On tentera un jour. J'ai pris un livre sur les amigurumis. Parce que c'est marqué aussi pour tout niveau. Donc, on doit bien commencer à un moment donné. Et je me suis dit que j'allais commencer. Il y a plein de petits animaux. Regardez-moi ça. C'est trop cute. Il y a la mandragore et le petit champignon. C'est le petit champignon qui m'a... Je vais vous le montrer. Je sais pas si je vais le trouver, mais... C'est lui qui m'a plu. Ah, puis ils font des Winnie l'ourson aussi, ils font des porte-clés. À un moment donné, je me dis que peut-être il va falloir que je le fasse, quoi. Regarde-moi ce petit bébé hérisson, il est trop choupinou. Ah, il va falloir que je commence, hein. J'ai regardé la chaîne de... Ah, il est là. Anna B, qui fait du crochet aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais bon, c'est un peu compliqué, enfin... C'est pas pour les débutants, quoi. Je crois qu'elle fait une box pour les débutants. Bon, j'essaierai un jour. Déjà, il faudrait que je termine déjà ma couverture au tricot. Je ferai le crochet après. Ensuite, création layette, de tricoton. De 0 à 24 mois. Donc, il y a 25 modèles inédits. Voilà, j'ai pris ça parce que c'est lui, là, qui m'a fait craquer. Voilà. Et, voilà, quand je serai capable, je ferai ça. Je crois que c'est Marine de Cocon Vert qui a fait ça. Le petit gilet là. Avec la petite salopette pour son petit bébé. Il me semble que je l'ai vu sur son blog elle. Donc écoutez, peut-être qu'un jour j'arriverai à comprendre comment ça fonctionne. Et le dernier, c'est Idée à faire. C'est un cahier spécial Halloween. Donc là, c'est de la couture. Donc... C'est bon, là je m'y connais. Donc j'aime beaucoup ce genre de coussin là. Voilà. Et bon alors le petit sac, moi j'en fais déjà. Mais les petits coussins, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer d'en faire. Après bon, il y a des choses qui sont pas... qui m'intéressent pas plus que ça, mais... Ah si, il y avait ça aussi, attendez. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. Je vais vous montrer ce que j'ai vu aussi. Ils font aussi du crochet. Voilà. Regardez ce que j'ai vu. Elle est pas belle?
Magnifique petite renarde, elle est super mignonne. C'est Émilie la jolie renarde. Elle est trop belle, franchement. Je sais pas. Difficulté 2 étoiles. Donc, dès que j'aurai appris un petit peu, je pense qu'il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et puis en avant Guingamp. Hein. Voilà, je suis pas plus bête qu'une autre. Et je trouve qu'elle est magnifique. Elle est trop belle. Voilà. Ce sera tout. Je vais aller directement à l'atelier parce que j'ai une commande. Je l'ai commencé hier. Là, je dois terminer. J'ai allumé mon logiciel Cricut. Je vais mettre le prénom, les pressions. Et hop, à envoyer, c'est fini. Donc, je vous laisse et je vous retrouve à l'atelier. Bonjour à tous. On est jeudi 26 septembre. Il est 16h51. Désolée si j'ai l'air un petit peu les cheveux dans le vent. J'étais nourrir les animaux, mais il y a du vent dehors. Mais il fait bon. Il fait bon, je sais pas la température, mais il fait doux en tout cas. Chin, petit cappuccino, n'est-ce pas? Je me suis réveillée un peu tôt aujourd'hui parce que j'avais une réunion du travail. Alors, je vais prendre un coup de papier. J'ai reçu du courrier. Donc, celle-ci vient du Canada. C'est Élise de la chaîne Book & Cup. Alors, je suppose que c'est la lettre du trimestre du Patreon. Voilà, ouh, qu'avons-nous de beau? Oh là là, regardez-moi ça. Ce marque-page, il est énorme. Un joli marque-page sorcière de Hélène Illustration, parce que Élise travaille avec Hélène en collaboration. Surtout pour son jeu de cartes de la pile à lire. Ensuite, une petite lettre, bien évidemment. Avec des petits cœurs, des petites fleurs, des pommes et des citrouilles. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Attendez, je vais mettre mon téléphone en sourdine. Voilà. Oh, c'est Hallmark. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est estampillé. Hop là, Hallmark. Hallmark est une... Alors, comment on peut l'appeler ça? C'est une chaîne de télé américaine où il y a des films de Noël. J'adore. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. Hein. Si c'est les mêmes qui font ça. Alors, qu'avons-nous? Oh là là. C'est moi. C'est moi tout craché. On dirait la Vierge. Parce que la Vierge, c'est la Terre, notre élément. Et alors là, regardez. Voilà, une femme rousse, n'est-ce pas? Avec son arbre. Voilà, c'est moi. C'est la Vierge. C'est la carte qui m'illustre très bien. Donc c'est Hélène Illustration, toujours. Oh, c'est trop belle. Des petits champignons. Oh, j'adore, ils sont trop beaux. De Hélène Illustration aussi. Une petite carte pour ma fête, parce que mois de septembre, c'était mon anniversaire. Alors, dedans. Oh, j'ai des petits cadeaux. J'ai plein de petits stickers. Attendez, voilà, un petit focus quand même. Donc, j'ai une petite tasse à thé avec dedans des champignons et une grenouille. Donc, c'est celle que je vous ai montrée. Celle-ci, une petite tasse à thé. Voilà, elle a fait le focus, c'est très bien. Oh, elle est magnifique celle-ci. Elle est trop belle. J'adore. Oh, j'adore, elle est trop belle. Ensuite, encore une autre. It's okay to take a break. Voilà. Petit pingouin qui boit son thé. Voilà. Émotionne. Hein. Des petits livres. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite déesse et un petit vase. Voilà, petit stickers. Et une petite lettre que je lirai tout à l'heure, bien évidemment. Ensuite, je pense que j'ai reçu ma commande. Donc là, par contre, je vais prendre un ciseau. Voilà, il faut être équipé. Hein. Pour être youtubeuse, hein, moi, je vous le dis. Hein. C'est Shibiao. Donc, c'est pour mon SAL
d'Halloween que nous faisons avec Chibiabour hein, en octobre, qui va commencer là. On a déjà reçu les instructions. Il me manquait la toile et l'équipe qui va avec. Donc, parce que j'ai reçu les fils DMC. Je crois qu'il n'y avait que des DMC. Ou des équivalents Sullivan. Voilà, c'est des fils Sullivan plutôt. Voilà, donc ça ils m'ont déjà expédié. Donc la toile, c'était celle-ci que j'avais pris. Ben, c'est ça. Ben oui, sûrement. Donc j'ai pris celle-ci. Il l'appelle Batselter Hall. Alors, c'est une toile étamine 12 fils. Oh, j'aime jouer la vie encore une fois. C'est tout petit. Alors, ça va être la première fois que je vais broder sur une toile imprimée. Non, je dis une bêtise. Je suis en train de faire Peter Pan. Je l'ai sur une toile imprimée. Donc, voilà, il faudra pas que je joue mes trous, quoi. Mais elle est très belle. Et oui, mais je pense que j'ai pris celle-ci. Parce que c'est un SAL surprise. On ne sait pas trop ce qu'on va broder sur Halloween. Donc, je me dis, bon, ben voilà. Hein. Ensuite, dedans, j'ai mon petit kit. Parce qu'il y avait des... Il y avait des choses en plus à prendre. Donc moi, j'ai pris le kit complet. Alors, nous avons des fils. Ah, il me semblait qu'on avait les... Ah, si, voilà. Je suis en train de me dire, il y a des petites perles aussi. Donc, c'est du fil. Alors, attendez. Que je vous trouve, c'est mieux. Polyester et nylon. C'est du Rainbow Gallery. Voilà, j'ai du doré et du blanc pailleté. Voilà, là vous voyez bien là. Magnifique. Et des toutes petites perles. Voilà, des toutes petites perles. C'est pour la finition du SL. Parfait. Parce que ça doit commencer la semaine prochaine. Le 1er octobre, je crois qu'on reçoit nos objectifs, mais il faut que je prépare ma toile. Ah, je l'ai pas ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc mes fils sont ici. J'en ai des DMC et d'autres c'est des Sullivan. Voilà, je n'ai jamais brodé avec. Écoutez, ça sera un premier test. Et donc ma toile va être comme ceci. Il faut que je la découpe. On a les dimensions. Donc chaque cache fait 20 par 20 points. Voilà, donc il va falloir que je fasse mes découpes. Et alors, est-ce que c'est marqué je m'en souviens pas, c'est pas marqué là. Quand est-ce qu'on reçoit les étapes? Bon, je sais pas. Voilà, donc on a bien les premières cases qui vont arriver dès le 1er octobre, je ne sais pas. On a... Alors, attendez. On a 20 cases? Non. Ben c'est une case par jour alors. C'est une case par jour. C'est comme un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est une case par jour parce que je vois qu'il y en a 30. Et où il est 31? Il y en a 31. Donc on a une case par jour. Voilà. Bon, j'espère que ça va. Alors, il y a des cases qui vont être petites parce que c'est le manoir d'Halloween. Donc, on pense voilà, qu'il peut y avoir un manoir là. Voilà, là, il va y avoir le ciel, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai plus qu'à préparer ça. Je pense le faire dimanche. Dimanche ou lundi. À voir. Je mettrai ça au point. Voilà. Allez, je vous laisse. Je termine parce que j'ai le vlog 170 est en ligne. Donc il faut que je mette les petites musiques et la petite miniature, etc. Donc je vais faire ça. Et ensuite, il est déjà 17h17. Faites un vœu, n'est-ce pas? Et il faut que j'aille me doucher, préparer à manger et aller travailler. Donc je vous laisse et je vous retrouve demain. Pour ce soir, petite coulemelle fraîche avec des œufs brouillés et du riz. Voilà, voilà, voilà. Bon appétit!
Bonjour à tous, on est vendredi 27 septembre, il est 19h53, je me dépêche de revenir vers vous parce que j'ai commencé cette nuit Wish, le tome 2 Evie de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Nous allons suivre Evie, donc là on fait un petit flashback dans le passé pour savoir ce qui s'est passé. Donc Evie et sa sœur Sudaikei, à la mort de leur maman qui a eu un cancer, ont reçu des lettres. Et à chaque anniversaire, elle doit ouvrir la lettre. Voilà. On est 10 ans plus tard. Je ne sais pas exactement quel âge elle a. Sachant que Sudaikei avait 18 ans quand sa mère est morte. Et Evie est un peu plus vieille. Je dirais une vingtaine d'années, donc on va dire qu'elle a 30 ans. Voilà. Et la maman d'Evie était une globe-trotteuse. Donc ils vivent dans les Amérindiens. Elle ressemble plus à son papa. C'est pour ça qu'elle est blonde. Voilà, par rapport à sa sœur Sudaikei, qui est vraiment amérindienne. Elles n'ont pas le même papa. Et leur maman était une globe-trotteuse. Donc en fait, elle partait partout, tout le temps. Elle voyageait dans le monde. Et elle laissait ses enfants aux soins de son papa dans la réserve indienne. Voilà. Evie, du coup, a toujours eu le sentiment d'abandon. Et de pas de famille. À part son papy, il n'y a pas de famille. Et elle, ce qu'elle aurait aimé avoir, c'est... un foyer, avec quelqu'un qui l'aime et qui ne l'abandonne pas, surtout parce que sa sœur Sudaikei, lorsqu'elle a reçu ses lettres, sa mère lui a dit « Tu as l'instinct de voyageuse, pars, découvre le monde, etc. » Et sa sœur, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie pendant 10 ans et elle revient. Donc là, on est au moment où sa sœur revient. On démarre l'histoire d'Evie, qui elle a étudié. Elle est dans la finance. Elle a deux boîtes succursales, je crois que c'est comme ça se dit. Et voilà. Et là, elle, donc sa sœur est revenue, elles doivent danser, bon bref, elles ont un petit bal, et elle va rencontrer le garçon dont elle était amoureuse quand elle était petite. Voilà, qui est un Amérindien, très beau gosse. Et il s'avère que, bon ben voilà, ils vont se rencontrer. Ils vont avoir un rendez-vous. Pour le travail, en fait. Evie a toujours été amoureuse de lui, sauf que lui, il a jamais dit qu'il était intéressé à elle ou fait des gestes comme quoi il est intéressé à elle. Et il s'est marié. Voilà, donc il a déjà eu une femme, une vie commune. Et là, il dit qu'il est intéressé par elle, au niveau travail comme au niveau sentiment. Voilà. Donc, j'en suis là. J'en suis à la page 70. J'ai bien avancé. Ça se lit facilement. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ce soir, c'est spaghetti bolo avec... on va tester une burrata dessus. Voilà, c'est mon beau-frère qui m'en a parlé. Donc, on va tester ça. Et puis, c'est tout. Demain, on part toute la journée. Donc, je vous reprendrai peut-être demain soir. Voire dimanche. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.